Hello les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo des favoris, des coups de cœur de mon mois de janvier 2020. Alors, je vais d'abord un petit peu vous faire un petit résumé en ce qui concerne les énergies du mois de janvier pour moi. Et vous me direz ensuite pour vous, n'hésitez pas à me dire même directement dans les commentaires comment vous avez trouvé les énergies du mois de janvier globalement. Et globalement, moi, c'était des énergies qui étaient très hard pour moi, qui étaient vraiment très très dures, très puissantes, surtout au niveau de la pleine lune, de ce mois de janvier. Elle a été vraiment très 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 puissante et aussi, ça m'a fait sentir en fait très confuse. Et je le suis encore un peu maintenant. Je suis sur le chemin, mais sans être sûre que ce soit le bon chemin, comme on dit. Donc voilà, je me suis sentie perdue, confuse. Et puis il y a un moment donné aussi où je n'avais aucune motivation de faire quoi que ce soit, même des choses que j'aime. Donc c'était vraiment très lourd, hein, très intense. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Et je suis contente qu'on arrive ici au mois de février en espérant que ce mois de février soit beaucoup plus léger. En tout cas, c'était surtout la première partie du mois de janvier, je veux dire la quinzaine, la première quinzaine du mois de janvier, elle a vraiment été fastidieuse. Et la seconde partie était un tout petit peu plus légère avec des hauts et des bas. Ça dépendait un petit peu les jours. Donc dites-moi vous aussi comment ça agit sur vous, si c'était fluide ou pas du tout, c'était super ou pas du tout. Donc je me sentirais peut-être moins seule. Mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui se sont confiées à moi et qui m'ont dit pareil quoi. Elles m'ont dit c'était pas facile, c'est pas un mois joyeux. Et l'année passée, c'était la même chose en fait. C'était pas du tout un mois que j'ai apprécié. Donc au niveau des énergies. Donc janvier, pas évident. Alors, je vais vous parler maintenant de mes favoris, hein, n'est-ce pas? Et mes favoris, je vais commencer peut-être par quelque chose qui n'est pas matériel. Et c'est une série. Donc, vous me connaissez, vous savez que je regarde des dramas, qui sont donc des séries asiatiques. Et j'ai adoré, adoré regarder Cinderella and the Four Knights, Cendrillon et les quatre cavaliers. C'était génial, ça m'a fait vraiment du bien, c'était très léger, il y avait de la romance, il y avait des petits triangles amoureux, mais enfin des triangles amoureux, c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais c'était super intéressant. Et ici, on retrouve, je vais vous montrer l'affiche. En fait, on se retrouve avec une jeune femme, enfin une jeune fille, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elle est encore, elle est en train de terminer ses études, on va dire, ses études, je veux dire, elle a 18 ans, quelque chose comme ça, donc elle va aller bientôt à l'université. Le problème, c'est que elle vit avec sa belle-mère et avec sa demi-sœur, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, sa belle-mère et sa demi-sœur, elles la font dormir sur le balcon. Alors, c'est un balcon où il fait très frais, c'est fermé, c'est un balcon fermé, mais il fait très frais. Et c'est là qu'elle vit, où elle a toutes ses affaires. Donc, c'est vraiment Cendrillon, on peut dire ça comme ça. Elle a très peu de place, elle doit se courber et dormir à terre, elle n'a pas vraiment de lit. Donc, sa belle-mère, elle est assez affreuse avec elle, hein, on peut le dire, elle est assez cruelle. Et sa demi-sœur aussi, elle n'en a rien à cirer d'elle. C'est un peu comme si elle était un déchet, quoi. Et en fait, son père, lui, il est tout le temps sur la route, il fait beaucoup de trajets en camion ou sur des chantiers, etc. Donc quand il part, il ne revient pas tout de suite, donc il ne sait absolument pas ce qui se passe. Et à un moment donné, en fait, elle va se retrouver un peu à la porte, en fait. Et son père va lui dire que c'est voilà, c'est pas sa fille. Et du coup, elle va rester choquée. Et à un moment donné, elle va croiser la route. Alors, je ne sais plus exactement comment. Mais elle va se retrouver face à un chaebol. Un chaebol, c'est, on va dire, un très gros PDG. Très, très gros. Qui possède toute une industrie à son nom. Et du coup, qui est très, très riche. Et du coup, il va lui demander un service. Et en échange de ce service, il lui payera ses missions qu'elle fait. Donc, pour elle avoir de l'argent. Mais il lui payera aussi ses études à l'université. Du coup, ben, ça reste quand même. Elle veut pas. Hein. Au départ, elle ne veut pas. À un moment donné, elle se retrouve à la rue, donc elle n'a pas vraiment le choix que d'accepter l'offre que lui fait
ce Chaebol. Et en fait, ce qu'il lui demande, en fait, c'est d'essayer quelque part de réunir sa famille. C'est un peu ça, hein. En gros, parce qu'en fait, il a quatre petits-fils qui sont vraiment des pestes, des pestes de petits-fils, qui sont les héritiers de cette industrie, de cette famille. Et du coup, il y en a un qui, voilà, il a tout ce qu'il veut comme argent, il a 20 000 cartes bancaires, il a plein de voitures, et etc. Et c'est un dragueur, et il n'arrête pas de draguer, etc. Mais il lui est arrivé évidemment quelque chose dans sa jeunesse, et du coup, c'est un peu pour ça qu'il se comporte comme ça. Mais voilà, il est un peu un sale gosse comme ça. Il aime bien provoquer son grand-père. Puis on va retrouver un autre héritier qui, lui, est assez badass. Il n'a pas envie d'être là parce qu'il faut savoir qu'ils vivent tous dans une même villa, la Villa Hennul. Et la Villa Hennul, ben voilà, ils ont chacun un peu leur appartement privé, si on veut. Et lui, ben, il a appris il y a un an qu'il était l'héritier, un des héritiers de ce groupe industriel. Ensuite, il y en a un autre qui est un artiste, qui est un chanteur. Donc voilà, il fait ses tournées, etc. Et il y en a un autre que je vous laisse découvrir par la suite, qui est un héritier, qui est le quatrième cavalier, mais qu'on ne voit pas dès le départ, j'ai envie de dire. On le voit, mais il a un rôle un peu sur le côté. Et du coup, elle va se retrouver dans cette villa avec ses trois plus riches héritiers. Voilà, donc ouais, et il lui dit bien, effectivement, le Chaebol, il lui dit bien que interdiction d'avoir aucune relation avec un de ses petits-fils. Voilà, donc ça annonce la couleur. C'était très frais, et en fait, elle, sa mission, c'est donc de réunir ses cousins, quelque part, qui ne s'entendent absolument pas, qui n'ont aucun point commun, et elle arrive à les réunir, et c'est sa mission. Elle en a plusieurs, elle a plusieurs missions comme ça à accomplir pour réunir ses enfants brigatés. Et du coup, je vais vous montrer l'affiche. Comme ça, si vous avez envie de regarder Cinderella, et les quatre cavaliers de Fortnite. Voilà. Alors, comment vous dire que j'ai vraiment adoré cette série, hein? C'est un coup de cœur pour moi, je ne m'y attendais pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Pas énorme, hein? Je suis désolée. Comme j'ai mis des tonnes de lumière et j'ai trouvé un nouvel acteur, je suis tombée amoureuse de cet acteur. Non, mais c'est tellement. Voici l'équipe, on va dire. Bon, ça va pas vous arranger des masses, mais. Voilà quoi. Il y a de la beau gosse. Oh, ben zut alors quoi. J'allais dire il y a de la beau gosse attitude, mais vous avez pas pu voir grand-chose. Genre, je vais essayer. Je reviens dans quelques secondes. Me revoilà donc ici. Alors, ouais, vous voyez pas grand-chose en fait. C'est super embêtant. Vous voyez rien du tout, mais quelle horreur. Ah, de ce côté-là, on voit un peu mieux, mais voilà. Donc, on va dire que. On a là celui qui est plus de côté. Là, on a le dragueur en blanc. Donc, on a la jeune fille qui est. Oh ben zut, et alors? Mais enfin, qui est juste super adorable. Ensuite, on a celui, l'héritier qui a appris il y a un an, voilà, qui était héritier. Mais vous ne voyez plus rien. C'est pas évident. Bref, c'est une série qui m'a vraiment touchée et qui était super agréable à regarder. J'adore l'actrice, j'adore les acteurs, c'était super. Donc je ne peux que vous inviter à regarder cette série. Voilà, maintenant je coupe mon wifi parce que je n'en ai plus besoin. Pas de séance de musique pour aujourd'hui. Alors au niveau des bouquins, oui, on veut passer aux bouquins. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très chouette lecture, vraiment une très bonne lecture, et j'ai hâte de lire le tome 2. C'est une duologie, juste deux livres, ça fait plaisir. Et c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Et donc le premier tome, c'est Le Sanctuaire des Dieux. C'est écrit très très grand au cas où vous n'avez pas envie de vous plonger dans un pavé. C'est pas un gros bébé du tout. Il fait 280 pages. Voilà.
Et c'était vraiment génial. En fait, on se retrouve avec Hera qui vit dans un sanctuaire, le sanctuaire, on va dire, de l'eau. J'ai pas retenu les noms, mais elle vit dans le sanctuaire de l'eau et c'est une guerrière de l'eau, si on peut dire ça, c'est-à-dire qu'elle a des aptitudes avec l'élément de l'eau et donc qu'elle peut invoquer l'eau et s'en servir pour protéger, pour se défendre, pour combattre, etc. Et donc elle vit dans ce sanctuaire. Et il faut savoir qu'en fait, le monde dans lequel elle vit, eh bien, il est juste entouré de brume de partout. Et quand on tombe dans la brume, on ne sait absolument pas ce qu'on devient. Il n'y a pas la terre comme il y a ici. Pas du tout. Le monde est fait de brume. Et d'ailleurs, pour aller d'un endroit à un autre, il vogue sur la brume avec des bateaux. Donc généralement, ceux qui ont le plus survécu, c'était les marins. Tous ceux qui étaient en bateau, les capitaines, etc. Les pirates aussi. Et donc eux, ils ont pu survivre parce que sur la brume, ils ont pu rester. Voilà. Donc on retrouve Hera dans son sanctuaire et puis d'un autre côté, on retrouve Intisar qui est elle plutôt une guerrière de feu et du coup qui peut manipuler l'élément du feu elle aussi pour se défendre, pour combattre, etc. Et en fait, la route de Intisar et d'Hera vont se croiser, sont donc deux jeunes filles. Intisar va prendre la décision d'avertir le peuple de l'eau qu'il y a une grande vague de brume avec des genres de zombies qui arrivent vers eux pour les attaquer. Au début, évidemment, c'est tout au début du livre, hein, mais Hera et toute sa peuplade ne la croit pas, sauf que cette vague arrive vraiment. Et là arrivent les ennuis. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'était vraiment appréciable. J'ai commandé le tome 2 et j'ai hâte qu'il arrive pour que je le lise. Donc vraiment, c'est un bon 4 sur 5 pour moi, donc allez-y. Alors, on continue avec... Je ferai les cartes en dernier, si ça vous dérange pas. Quoique, on peut y aller maintenant. Donc on y va maintenant pour les cartes et les jeux. Donc oracle, tarot, je prends le premier qui me vient. Et le premier qui me vient, il était déjà dans mes favoris du mois de décembre. C'est The Universal Oracle Card de Christina Georgieva. C'est un deck auto-publié. J'ai adoré, adoré me servir de ce jeu. Alors il a un côté très holographique. Alors je ne sais pas si ça va ressortir, mais voilà, j'ai fait une review. Je ne sais même pas si je l'ai déjà posté, mais c'est juste génialissime. Et alors il y a beaucoup de mots-clés, mais ça ne me dérange absolument pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Donc très glossy, hein, comme vous pouvez le constater, ce sont des petites cartes, taille un peu bridge comme ça. Et j'adore le fait que ce soit sur un fond noir avec l'univers comme ça en fond. C'est un deck moi qui me plaît beaucoup, un vrai coup de cœur pour moi. Donc très très contente de l'avoir dans ma collection. Vraiment c'était il va droit au but en fait cet oracle et c'est vraiment très agréable de travailler avec lui. Ensuite, bon, je vais les sortir un à un. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui vient? Alors, vient ensuite un autre oracle, c'est Find Your Light, donc Trouve ta lumière, qui est un deck d'inspiration, qu'on peut prendre évidemment comme un oracle aussi, de Sarah Burier, si je prononce bien, ou Sarah Burier, aux éditions, pardon, US Games Systems. Donc, vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. Et là, j'aime beaucoup en fait, parce que c'est un jeu qui est divisé en trois peuplades féeriques, c'est-à-dire qu'on a les fées, les sirènes et les anges. Et en fait, j'aime beaucoup parce que du coup, avec les anges, on aura un je vais pardonner. Voilà, on a ce côté plutôt symbolique. Et puis, voilà, je vais laisser faire les choses. Donc je suis reliée hein, à quelqu'un et là donc avec les IM je pense qu'on est avec les fées, oui on est avec les fées comme vous pouvez le voir et je sens on est avec
On est avec les sirènes. Oui. Donc je me sens courageuse, courageux. Je vaux la peine avec les fées. Donc j'adore beaucoup les dessins, les illustrations. Je trouve ça magnifique. Et j'ai bien aimé me laisser emporter par ce jeu. Il y avait quelque chose de réconfortant, il y avait quelque chose de naturel et de poétique qui faisait vraiment plaisir. Et c'est un petit coup de cœur ce jeu. C'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur. Regardez ça. C'est pas magnifique? Je vais prier. Oh, que c'est beau. Voilà, je me sens ouverte. Je sais pas, il y a quelque chose de très léger en fait, et ça fait du bien quand on est en plein hiver comme ça, de sortir des jeux comme ça. Et du coup, bien. Et il n'y a pas vraiment, enfin, il y a un petit livret, hein, mais de toute façon, j'en ai fait une review. Je vous posterai les liens si j'ai posté mes reviews. Alors, un jeu avec lequel j'ai adoré travailler, c'est un jeu de cartes, tout simplement. D'Harry Potter, et c'est les cartes du film, et là c'est le film du premier au quatrième film. J'ai pas encore utilisé les autres, évidemment. Ben oui, j'ai adoré. Les jokers font assez flipper. Je vais les sortir. Enfin, il y en a un en fait, enfin, c'est deux les mêmes. C'est assez flippant les jokers, mais voilà, c'est très facile en fait de les utiliser, d'utiliser ces cartes en tant que carte oracle en fait. Moi, c'est plutôt comme ça que j'utilisais ce jeu et ça fonctionnait bien. Voici le dos des cartes. Je pense pas que je vais les présenter. Je pense pas que je vais en faire une review. Vous savez, avec cette loi COPPA qui passe, c'est pas évident. Donc, parce qu'effectivement, Harry Potter, ça peut toucher les enfants et voilà. Mais du coup, je pense pas que je vais présenter ce jeu. À moins que je ne le présente et que je mette une limitation d'âge en fait. Et là, du coup, ben, il n'y a pas de souci. Je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, c'est super. On retrouve tous les personnages. Et pour les fans d'Harry Potter, ben, je ne peux que vous conseiller ces cartes-là parce que c'est super. Et en tant qu'oracle, ça fait bien son job, je peux franchement vous l'assurer. Alors, le suivant. Alors, le suivant, j'ai pas eu l'occasion vraiment de travailler avec. Je l'ai mis dans ma belle pochette, qui est aussi un coup de cœur que mon amie Tara m'a envoyé. Je l'adore. Et les cartes sont très grandes. Ah, donc ça convenait très très bien. Je me dis, génial, au moins ça aura un... Voilà, en fait, c'est comme ça la pochette. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Au moins, les cartes auront leur pochon. Donc oui, on est déjà à 18 minutes, donc n'hésitez pas à prendre de quoi boire, de quoi grignoter, faites pause si c'est possible, parce que on n'a pas encore fini, n'est-ce pas? Donc ce sera une vidéo qui va durer plus de 20 minutes, hein, même peut-être bien 30 minutes facile. Et donc vous l'avez deviné, c'est mon oracle de Margot Motin, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai plus la boîte. Mon oracle, je pense qu'il y a 44 cartes. Je ne l'ai pas encore présenté, mais qu'est-ce que j'adore! J'adore ce jeu. Il a, voilà, cette touche humoristique qui est vraiment la bienvenue dans les oracles qui sont créés maintenant. On a beaucoup de thématiques, les fleurs, les anges, les plantes, etc. Et on a aussi des oracles avec plusieurs choses. Et j'aime cette touche humoristique. Et je suis très très heureuse de l'avoir trouvé parce qu'en fait, j'ai voulu le commander et il était toujours indisponible sur Amazon. Dans les petites boutiques ésotériques à côté de chez moi, c'est pas la peine d'essayer. Il n'y a pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, zut, comment je vais faire? Impossible de le trouver sur des signes en ligne. Du coup, en fait, j'ai passé un week-end en France avec ma tante. Je suis allée dans une librairie, et dans cette grande librairie, eh bien, il n'y en avait plus qu'un qui était là pour moi. Génial! Et du coup, j'ai dit, mais celui-là, je le laisse pas passer. Donc voilà, il est super agréable et il fait sourire, il fait du bien. Donc Margot Motin, félicitations pour ce que tu as créé parce que ça fait vraiment du bien. C'est un bon bol d'air frais en fait ce jeu, clairement.
Alors, ensuite, on va passer à un autre oracle qui est l'oracle vibratoire des anges aux éditions Exergue de Marie-France Venon. Qu'est-ce que je l'adore ce jeu? Alors, je ne suis pas très ange d'habitude. Enfin, j'ai quand même présenté un deck juste avant un jeu où il y avait des anges dedans. J'aime l'énergie angélique, mais je ne travaille pas tout le temps avec. Donc voilà. Mais celui-là, ah celui-là, bah je vous avoue que je suis tombée en plein dedans. Il est vraiment, en fait, il vibre très bien. Son énergie vibre bien avec la mienne. Et du coup, ben, c'est génial. Ça fait trop du bien. Et voilà. Et je continue du coup de travailler avec la carte du berger. La review est déjà en ligne de cet oracle, vous pouvez aller la voir et je vous explique pourquoi je travaille avec le berger, mais l'ange du berger, l'ange berger, parce qu'effectivement, ben, je vous ai parlé que j'étais confuse hein, et je le suis encore un peu, du coup, ben, le berger va m'aider à retrouver ma route. Donc, je la glisse en dessous de mon oreiller et je lui demande chaque soir de me guider sur la route qui est la plus correcte et la plus juste pour moi. Et il est assez intense, mais dans le bon sens en fait. Il a des énergies très hautes. Et puis le livret, il est très très bien fait. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Je vous montre encore une carte. Je vous invite vraiment à aller voir ma review si ça vous intéresse. Parce que c'est waouh, chapeau, j'ai envie de dire. Chapeau. Parce que c'est la première fois depuis les jeux, j'ai envie de dire, de Dorine Virtue, que je me sens vraiment connectée à l'énergie des anges. Donc ça fait plaisir parce que Dorine Virtue ça date hein, et il n'y avait pas spécifique. Il y avait cette énergie, c'était au tout début donc c'était encore différent vraiment. Mais là je l'adore vraiment, c'était un beau coup de cœur pour moi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, celui-là c'est le Llewellyn Tarot. Alors effectivement, lui c'est un de toujours en fait, ça fait très longtemps que j'utilise ce jeu et c'est un de mes go-to, un de mes go-to deck où je vais aller directement quand il y a un tirage et que j'ai pas envie de réfléchir à un jeu. Ben, c'est lui qui un des premiers qui me vient en tête par exemple avec la The Wheel of Fortune Tarot. Non, la roue de l'année. Le tarot de la roue de l'année avec oui c'est deux jeux c'est des jeux où je vais directement aller parce que il y a une simplicité derrière ou alors encore le Hanake Tarot que je vais pouvoir aller ce sont mes go to deck. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo avec mes go to deck parce qu'il y en a quand même 4-5 comme ça vers lesquels je vais aller parce que eux et moi, on a une connexion qui s'est faite rapidement. Je les connais depuis longtemps. Et du coup, ben, la lecture, c'est pas qu'elle est plus facile. C'est juste que je sais directement. Je sais directement. Ils vont m'en. Je sais pas. On va me mettre sur la route. Et voilà. Il n'a rien d'exceptionnel. Hein, mais. Le livre est très bien fait, sauf qu'il est en anglais et j'aurais bien voulu qu'il soit traduit en français pour plus de facilité, même si j'ai un bon anglais, parce que le Llewellyn Tarot, il parle particulièrement de la légende arthurienne et j'adore la légende arthurienne. Du coup, ben voilà, j'aurais tellement aimé que le livre soit traduit en français. Peut-être un jour. On continue. Et je viens de déchirer un tout petit peu la boîte. J'ai adoré travailler avec The Artful Spirit Tarot de Tricia Leichfeldt. Et ça, c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Gamecrafter. Tout simplement. Oui, voilà, moi c'est là que je l'ai acheté. Et en fait, ce sont les esprits du cœur. Enfin, voilà, il est un peu appelé comme ça. Les esprits du cœur. Le tarot des esprits du cœur. On a des mots-clés. Un petit cœur à l'endroit pour nous indiquer un mot-clé à l'endroit si vous tirez à l'endroit, mais aussi le côté négatif de la carte avec un petit cœur à l'envers juste en bas. Et je ne sais pas si j'ai déjà présenté ce tarot, en tout cas si j'ai déjà posté la vidéo sur ma chaîne, je pense pas. Le dos des cartes, il est juste magnifique et c'est un deck qui est assez réconfortant à utiliser aussi dans des périodes comme l'hiver en fait.
Donc ça fait plaisir. Il a quelque chose de mignon. Alors par contre, c'est vrai que moi, ce qui... je ferai pas spécialement un tirage pour des clients avec ce jeu parce que il n'y a pas de d'expression faciale. Voilà. Et les expressions faciales, moi, je les trouve très importantes quand on lit intuitivement les cartes, ou même quand on lit pas spécialement intuitivement les cartes, hein, mais voilà, donc c'est un deck que je garde plus pour moi, qui est plus un doudou deck qu'autre chose. Faudra aussi que je vous fasse une vidéo sur mes doudou decks. C'est vrai que c'est le genre de vidéo qui a déjà été faite par nombreuses youtubeuses, sauf moi. Alors, il y a aussi ce jeu que je trouve vraiment très facile, ce sont les cue cards, tout simplement. Les question cards, si on peut appeler ça comme ça. Alors généralement, on peut... Il y a 52 cartes, on peut jouer avec nos amis, mais on peut aussi l'utiliser en tant qu'oracle. Alors lui, vous n'allez pas le trouver malheureusement sur Amazon.fr, mais sur Amazon.com, ce qui vous donne droit à des frais de port, n'est-ce pas? Parce que avant Amazon.com, on pouvait commander, il n'y avait pas de frais. Maintenant, il y en a... Donc on a des petits mots-clés en dessous. Et franchement, je l'adore. Il est très simple comme ça. Il pourrait faire penser un peu, je dis bien, à l'Améthyste Oracle, qui est très simple aussi. Très épuré, où il y a juste des objets. Voilà. J'adore ce genre de jeu. Et j'ai fait d'ailleurs le Witcher Tarot Challenge. Enfin, j'ai pas tout fait, mais la partie que un chapitre que j'ai fait, j'ai utilisé pour avoir les réponses et je peux vous dire que ça parlait très très bien. Donc, comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose et franchement, il est super abordable au niveau du prix, c'est génial. C'est plus les frais qui vont avec. Par contre, la boîte est un peu petite, du coup, vous savez, il y a toujours des cartes qui viennent se caler pour refermer la boîte. C'est pas toujours évident, mais j'y arrive. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, c'est terminé pour les jeux. Donc, ici, je vais parler un peu de thé, un peu de bonbons et d'une huile et de bijoux. Donc, si cette partie-là ne vous intéresse pas, ben, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester, je comprendrai tout à fait. Et pour ceux qui ont envie de rester, ben, c'est parti. Du coup, je vais vous parler du thé. Un thé que j'ai fort apprécié, même déjà en décembre et en décembre, oui, et en janvier, c'est mon Noël au bout du monde. Alors, qui s'appelle le Noël rouge, comme vous pouvez le constater. C'est une tisane en fait, c'est pas un thé. Il est marqué savon, savon, saveur bonbon et orange épice. Et il vient du comptoir d'été. C'est un magasin qui est ici à Charleroi en Belgique. Mais si ça vous intéresse vraiment, je veux dire, si vous êtes une fan, fan, fan ou un fan de thé, de tisane, et que celui-ci il vous dit vraiment, ben, on peut toujours s'arranger pour que je vous envoie, qu'on voilà, vous me faites le paiement. N'hésitez pas quand il y a vraiment quelque chose qui vous flash et qui vient de Belgique, moi ça me fait plaisir. Alors je vais l'ouvrir. Vous savez bien, moi, l'été, les tisanes, je suis fan. Oh, il sent vraiment l'écorce d'orange, la cannelle. Il est très réconfortant pour l'hiver. Alors, j'ai toujours peur, hein, de faire ce genre de choses à la caméra. J'ose pas aller plus loin que ça. Il y a énormément de rooibos aussi. Donc, il faut aimer le rooibos, bien sûr. Alors, donc, on a du rooibos. Des étoiles en sucre. Donc voilà, il est déjà sucré aussi, hein, celui-là. On a ensuite des flocons de carottes, de la poudre d'amande, du tulsi, des morceaux de cannelle, mélange de chocolat et d'orange, des arômes et des mélanges d'épices. Voilà, comme ça vous savez ce qu'il y a, si ça vous intéresse. Et il est très très bon. Et alors moi ce que je fais avec ce thé, et c'est un délice, je rajoute une cuillère de cacao pur, du cacao, pas le Nesquik, hein. Ah, non, le cacao, vous savez, le Van Hout, vraiment le pur de chez pur. Et je rajoute quand même une, enfin ça dépend si quand j'en ai envie ou j'en ai pas envie, une ou deux cuillères de sucre de canne. Et c'est délicieux, mon Dieu, c'est délicieux. On se croit dans un chalet quelque part à l'autre bout du monde. Mon Noël au bout du monde. Voilà, c'est vraiment un favori.
Et pour l'été, d'ailleurs, je vais essayer de me faire plaisir au mois de février et de commander des thés de chez Daman Frères. Donc, si vous avez des goûts, des saveurs que vous aimez fortement chez Daman Frères, dites-les moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez un thé, une infusion pour votre mois de janvier qui a été vraiment chouchou. N'hésitez pas à me dire quel a été le jeu chouchou de votre mois de janvier, des coups de cœur si vous en avez eu. Pareil, si vous avez eu un coup de cœur lecture, dites-le moi en commentaire, ça me fait super plaisir. C'est le genre de partage que j'adore, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez une série, un film qui était un coup de cœur, pareil, on partage. C'est vrai que j'ai pas fait de live pour cette fois parce que je ne vais pas avoir le temps, ou alors ça aurait été plus loin dans le mois de février. Du coup, voilà, j'ai préféré le faire directement en vidéo enregistrée. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? On va rester un petit peu dans les saveurs. En fait, j'ai goûté du vrai kombucha fait maison. Voilà, je vous parle pas d'un kombucha que j'ai été chercher même dans un magasin bio, non, pas du tout. Alors je vais juste pouvoir vous montrer les photos des bouteilles parce que je n'ai pas encore mon kombucha à moi qui est fait, mais j'ai donc mon amie, de mes amies, qui fait du kombucha elle-même et du coup. Elle m'a fait goûter, elle m'a donné deux bouteilles, vous ne voyez encore rien. Bref, vous pouvez voir qu'il y a deux bouteilles en verre. On voit pas très bien. Mais il y en a un plus clair et un plus foncé. Et le plus clair, il ressemblait vraiment à du cidre de pomme. Et l'autre, il avait un goût beaucoup plus agréable, plus un jus de raisin comme ça. Si je devais décrire un petit peu, et c'est super bon, et puis c'est super bon pour les intestins, pour l'estomac, c'est des bonnes bactéries en fait que vous donnez à votre corps. Donc le kombucha, c'est juste trop bon, et c'est fait à partir de thé fermenté. Et celui-là que j'ai choisi, c'est du thé noir, du thé pouer, mais il ne reste aucune caféine quand vous le buvez. Voilà, bon après, c'est juste une petite aparté, mais c'est vraiment un coup de cœur quand j'ai goûté ça. Et puis du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'en faire en même temps. Elle m'a dit pas de soucis, voilà, faut juste un bocal et puis il faut des bouteilles quoi. Donc voilà, c'était très très bon, très agréable, un vrai coup de cœur pour la santé aussi, très très bon. Il me reste encore trois trucs à vous montrer. Vite fait, je vais vous montrer des boucles d'oreilles que j'ai vraiment kiffé porter. Et que vous pouvez trouver sur AliExpress tout simplement pour, je sais pas, pour même pas 1 €. Oui, pour même pas 1 €, vous m'avez bien entendu. Donc ce sont ces boucles d'oreilles-là, très pastel, très bleu, rose, mauve, voilà, très kitsch évidemment. J'aurais pu les mettre avec mon sous-pull mauve ici. Et je les aime beaucoup, donc c'est mon petit coup de cœur, j'avais envie de vous le montrer. Alors j'ai adoré, je vous ai dit, c'est des bonbons. Et en fait, ça vient d'un magasin en France où on vend un peu de tout, où on vend un peu de laine, des carnets, où on vend des choses pour faire du scrapbooking. Et je ne sais pas le nom de cette boutique parce que ce n'est pas le nom qui est indiqué sur cette boîte de bonbons. Mais j'adore les bonbons au beurre. Qu'est-ce que j'adore ça! C'est trop bon les bonbons au beurre. Et ça, cette marque-là, elle est juste géniale. Alors c'est oui, c'est beaucoup de sucre. Contrairement au kombucha qui est très sain pour le corps, là je vous montre tout le contraire. Et en fait, voilà, j'en mange un de temps en temps parce que faut faire attention à sa santé, n'est-ce pas? Mais je peux vous essayer de vous montrer parce qu'il y a un genre de farine au-dessus. Donc c'est des bonbons au beurre. Oh, j'adore. Et le goût, il est terriblement délicieux. Donc j'en prends un de temps en temps. Et j'adore vraiment beaucoup. Donc dès que je retournerai en France auprès de ma tante, ben, j'hésiterai pas à reprendre une boîte. Voilà. C'est un vrai coup de cœur ces bonbons. Voilà. Et alors la dernière chose que j'ai à vous montrer, eh bien il s'agit d'une huile. Alors c'est une huile
Qui est en fait un mélange d'huile que j'utilise comme crème de jour. Donc si vous ne le saviez pas, ça fait déjà un bon bout de temps maintenant que je n'utilise plus que de l'huile de jojoba comme crème de jour. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus nourrissant que cette huile-là pour moi. Mais j'avais vraiment envie de découvrir quand Héloïse a sorti sa propre huile. J'avais vraiment envie de la tester parce qu'il n'y a vraiment que du bon dedans. Et tous les ingrédients sont d'origine biologique ou issus de l'agriculture, en tout cas de la culture, allez, la plus sympa, voilà, plus biologique possible, on peut dire ça comme ça. Et Héloïse, c'est celle qui tient la chaîne, qui a la chaîne Easy Blush, que je suis depuis déjà des années maintenant, j'ai suivi sa progression en fait vers le naturel, vers un peu la slow cosmétique, etc. Et donc, elle a sorti sa propre huile, c'est la Lumineuse, tout simplement, d'Héloïse. Alors, on va retrouver de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile de buriti, de l'huile d'avocat, de la vitamine D, de l'huile essentielle de néroli, de l'huile essentielle de géranium et de l'huile essentielle de lavande. C'est vraiment très bon pour tout type de peau. Si vous voulez que je fasse une review particulière pour cette huile, je la ferai vraiment avec plaisir parce que c'est juste génial. Il faut juste, pour moi, 5 gouttes sont assez pour faire mon visage. On peut l'utiliser aussi sur le corps. Et on peut aussi l'utiliser sur les cheveux, évidemment. Donc voilà un petit peu pour la couleur du mélange d'huile. Si vous faites que le visage comme moi, enfin, bien que je vais sûrement l'essayer sur mon corps pour voir ce que ça donne. Ben là, ça fait déjà, je ne sais pas, bien 2-3 semaines que je l'utilise et j'ai l'impression que j'ai pas bougé quoi. 2 semaines, voilà, 2 semaines. Pas 3 semaines, mais 2 semaines que je l'utilise. J'en suis ravie. Elle est géniale. Elle pénètre bien. Après, ben, ça reste des huiles. Hein, donc, il faut toujours laisser un peu le temps quand vous vous maquillez, de laisser s'imprégner, j'ai envie de dire, tout ce qui est les bienfaits des huiles, bien sûr. Et pour moi, l'odeur qui ressort le plus, c'est le géranium. Mais ça ne me dérange absolument pas. Ça sent très bon. Et du coup, je suis très contente. Elle coûte 22 euros avec les frais de port compris. C'est génial, même jusqu'en Belgique. Donc, j'étais vraiment très contente. Et donc, oui, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est un gros coup de cœur pour cette huile que donc je vais utiliser pendant pas mal de temps. Et j'ai envie de l'utiliser aussi sur le corps pour voir ce que ça donne. Bien que je pense que si c'est pour le visage, comme pour le visage, ce sera juste génial. Et peut-être pour mes cheveux. Mais bon, mes cheveux sont colorés, donc à voir. Voilà, j'ai fait le tour de mes favoris de ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu, qui sait, des bonbons ou une huile ou alors des bijoux favoris. Et n'hésitez pas à me partager tout ça. Je vous fais des gros bisous lumière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!